sortie de boîte. Avoir les frissons de honte en en voyant qui se démontre. Tristement, c'est un chelou, champignon chelou, poudre chelou, pur relou qui ne tiennent plus debout. En même temps, j'ai vu des gens sortir souriants et nets, des souvenirs plein la tête. Bonne conception de la fête en fait. Le monde de la nuit, c'est de la bombe, y'en a pour tout le monde. Bien sûr, 5h du mat, j'ai vu aussi les sans-abri. Marchant jour et nuit, traversant les plus belles rues de Paris, projetés de partout, considérés comme de vrais débris. 5h du mat, j'ai vu aussi certains enchaîner discothèques sur After, Insomniac, Messi. Jusqu'à midi, bourrez l'énergie. À vous d'essayer si vous aimez les grands défis du style insomnie. 5h du mat, j'ai vu aussi des fonctionnaires ouvriers mal payés attendre un bus, aller travailler. J'ai vu des mecs discuter toute une nuit à la cité, passer du bon temps sans difficulté. 5h du mat, j'ai vu les voisins se plaindre, sortir les armes, viser les jeunes. Mais dis-moi qui est à plaindre. Non, faire son soupe, taper son box vers la foi. Seule définition que les gens donnent pour les jeunes soir. Voir 5h du mat, croire qu'à 5h du mat, personne ne dort et tout le monde sort. Donc voilà les stats. 5h du mat, outre-Atlantique, il est 11h. La nuit débute tout aussi vite. Guts smoke son dernier stick, dit fatidique. À mettre vis physique. À 5h du mat, histoire naturelle hypnotise les insomniaques, somnifères télévisés. À 5h du mat, rediffusé, abusé, épuisé, y'a pas de quoi baliser.